essayer. Restez avec nous. Un super programme ce soir avec Isabelle Mergaud, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Claude Sarraute, Sophie Garel et Stevie Boulet. Je pose la question d'ailleurs, Stevie. On doit donner votre nom Boulet ou pas? Ah bah bien sûr. Oui. On doit dire Boulet. Stevie Boulet. B-O-U-L-A-Y. Ah, ça fait moins con que Boulet avec E-T. Oui. Gérard, vous avez vu, Stevie, le tabac que vous avez fait dans la presse. Tout le monde n'a parlé que de votre présence dans cette émission. C'est vrai. Il y a même un critique formidable que j'adore, qui est Schneiderman, du journal Le Monde, qui a dit « Comment un ancien barman peut s'occuper de lire des livres et de faire la critique littéraire à Jack Lang la semaine dernière ?» Oui. Alors, je voudrais quand même rassurer Schneiderman. Claude Sarraute, avant, était journaliste au Monde. Les gens peuvent évoluer, hein. Il ne faut pas non plus les laisser figer. Mais c'est vrai. Moi, je voudrais aussi répondre. On me dit, mais alors pourquoi vous avez engagé Stevie alors qu'il était sur M6, Loft? Mais les gens ont le droit de bouger, on va pas enfermer Stevie à vie dans le Loft. De grands réalisateurs aujourd'hui n'engageraient pas Daniel Auteuil parce qu'il a démarré dans Les Sous-doués, par exemple. Voilà. D'autres ne reconnaîtraient pas que Pierre Desproges est un grand humoriste parce qu'il a commencé par faire les jeux de 20h à la télévision, et ainsi de suite. Et même Laurent Fabius n'aurait jamais été Premier ministre parce qu'il a fait candidat à la tête et les jambes, et que c'était même pas la tête, c'était les jambes. Alors voilà, j'ajouterais, Laurent, que vous avez rempli une mission de service public parce que Stevie lit des livres, et si Stevie lit des livres, vous aussi vous pouvez le faire. Dites les copains, est-ce que vous savez pourquoi on vous a mis un petit chapeau là? Non, si, je sais, pour nous humilier. Non, pas pour vous humilier, mettez-les. Si, c'est bien ce que je disais. Moi, je le sais, est-ce que je le dis? Allez-y, Gérard. Oui. Parce que les Parisiens peuvent remarquer que la Statue de la Liberté, dont nous avons la réplique à Paris, est actuellement coiffée d'un chapeau dont personne ne sait exactement comment il est arrivé sur sa tête. Et alors, ça fait plusieurs jours que ce chapeau de marin est sur la Statue de la Liberté à Paris, et alors je comprends pas, on n'arrive pas à l'enlever. Vraisemblablement, ce sont des plaisantins avec une grue qui ont réussi à mettre ce chapeau, parce que je ne pense pas qu'ils aient pu escalader. Et les pompiers ne peuvent pas intervenir sans déployer des moyens importants. Peut-être aujourd'hui, avec les inondations, les pluies et autres, sont-ils mobilisés par autre chose? Vous savez que ça porte bonheur de toucher le pompon d'un marin. Oui, mais si on en touche deux? Et tu sais ce qui se passe quand on touche le chapeau d'un marin? Non, qu'est-ce qui se passe? Fais-le. Et après... Oh. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de l'homme qui a décidé de plonger à la vitesse du son. Hein, vous avez entendu, le voici. C'est le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui, d'après un sondage publié par le Figaro Magazine, se rapproche en effet de plus en plus de la France d'en bas. Heureusement, le Premier ministre a repris la main ce week-end, vous l'avez entendu, et il a annoncé la reconduction de la prime pour l'emploi qui avait été instaurée par Lionel Jospin en expliquant, je cite Monsieur Raffarin, « Ce n'est pas parce que ça a été développé par la concurrence qu'on va dire que c'est mauvais. » C'est bizarre quand même de dire concurrence à la place d'opposition. Très bien. Pourquoi? C'est net, c'est exactement ça. C'est la concurrence. Il faut qu'il fasse plus de voix, il faut qu'il gagne les prochaines élections, il faut. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Enfin, on parlera plus de campagne présidentielle, on parlera de publicité comparative. C'est... Très bien, bravo. Bon, vous l'avez vu partout dans vos journaux, l'ex-parachutiste qui veut sauter de 40 000 mètres d'altitude, de haut, c'est évidemment Michel Fournier, c'est son nom, qui devrait donc être le premier homme à franchir le mur du con. Sa chute libre devrait durer 6 minutes et demie et son parachute, si tout se passe bien, devrait s'ouvrir à 1000 mètres du sol. Il sera alors le premier homme à revenir à pied de la stratosphère. Voilà, le grand saut, c'est lui. Il a l'air sympa, non? Oh, mais il est tout petit, regarde, ah, à côté. Mignon. Non, c'est le monsieur qui est là. Et ah, là, bon, c'est une maquette à côté. Ah, je crois que c'était lui. Il a l'air très sympa. Il a l'air d'un titi. Vous trouvez ça sympa? Oui, puis écoute, il y a 58 balais quand même, il faut le faire, hein. Enfin, à quoi ça sert, Claude? Mais écoute, c'est un record. Une expérience. C'est un record, c'est une expérience. Personne n'a jamais fait au monde passer le mur du son. C'est un suicide original, en fait. Allez, autre photo, celle du sélectionneur de l'équipe de France de football, Jacques Santini. Vous avez certainement regardé le match, Jean-Luc. Jacques Santini qui, malgré la victoire 2-1 de la France contre Chypre, a bien des soucis parce que les Bleus n'ont pas été très brillants samedi à Nicosie. En fait, ce qui manque à l'équipe de France, ce ne sont pas des joueurs qui savent jouer au football. Non, manifestement, ce sont des footballeurs qui veulent bien jouer aux cartes avec Zizou.
En effet, on nous dit que Zizou n'a personne pour jouer avec lui aux cartes et voilà pourquoi il est triste. Le sélectionneur cherche donc des joueurs de cartes pour le prochain match. Il faut dire que chez les Bleus, il n'y a plus que les cartes qu'on arrive à battre. C'est ça, hein, l'histoire. Non, il se sent un petit peu seul puisque ses potes... Enfin, Dugarry a annoncé sa retraite internationale et ses deux autres potes qui sont Candela et Lizarazu étaient blessés. Mais comme ils vont revenir, peut-être qu'il va retrouver le moral. Mais attends, chérie, c'est pas qu'il avait l'air triste, il avait l'air sinistre. Moi, oui, je me suis dit dans les vestiaires, il va se... Tchac, il va se tuer. Ce qu'il lui faudrait, c'est une bonne petite pub. Allez, on reste dans le sport avec l'US Open et la lassitude qui gagne les amateurs de tennis féminin puisque tous les tournois de l'année se sont systématiquement terminés par une finale, vous le savez, entre les sœurs Williams, Vénus et Serena. Alors, on commence à en avoir marre, c'est vrai. Bref, une équipe de chercheurs américains serait en train de tenter une opération de la dernière chance pour enfin séparer les sœurs Williams qui sont en fait siamoises. Ça marche maintenant, hein, on peut séparer des siamoises. Il y en a deux qui ont été séparées. Ça dépend par, les... par quoi elles sont liées. Ben, elles séparent le tennis, manifestement. Ah oui, alors, il suffit d'une raquette. C'était ce week-end l'ouverture de la chasse. Je ne sais pas si quelqu'un est allé chasser dans l'équipe, dans le sud de la France. Mais il y a une photo qui est parue dans les pages d'un quotidien de Belfort. Regardez, manifestement, le photographe n'a pas vu qu'un des chasseurs avait lui aussi laissé son petit oiseau sortir. Non. Regardez. Oh, c'est incroyable, non? Alors, ce qui est sûr, c'est que cet oiseau-là n'était pas en période de reproduction, manifestement. Non, puis il a perdu ses plumes. Hein, À votre avis, le photographe l'avait vu ou pas? Non. Ou il s'est laissé piéger? Il s'est laissé piéger, je suis sûre. Ouais. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialistes, ils regardent toutes les photos de chasse pour chercher précisément le moment où un des chasseurs montre son sexe. Mais non, c'est pas Bruno Mazur. Ah oh non, c'est mieux que ça, Bruno. Non, pareil. Vous parlez comme si tout le monde connaissait le zizi de Bruno. Mais il le montre beaucoup. Maintenant, mercredi prochain, sort sur tous les écrans de France qu'on pourrait appeler un OVNI, un objet filmé non identifié. Le film s'appelle « Fille perdue, cheveux gras », le premier long métrage de Claude Duty avec dans les principaux rôles Charles Berling, Sergi Lopez, Amira Kazar, Marina Foïs et Olivia Bonamy. Déjà récompensé en août par le prix Michel Dornano au Festival de Deauville, le film retrace l'itinéraire croisé de trois femmes perdues qui s'avèrent avoir eu des aventures similaires. Pour nous parler de « Fille perdue, cheveux gras », un film fait avec des pellicules évidemment, recevons celui qui a déjà triomphé dans « Ridicule »,« Les âmes fortes »,« Comment j'ai tué mon père » et plus récemment au théâtre et au cinéma dans « Cravate Club » aux côtés d'Edouard Baird. Voici Charles Berling. Bonjour, monsieur Berling. Fille perdue, cheveux gras qui sort mercredi. J'ai dit que c'était un OVNI, un objet filmé non identifié. C'est pas loin de ça quand même. Hein. On a du mal à le définir dans, ou à le ranger dans une catégorie, ce film. Complètement, et c'est heureux, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, le réalisateur fait ses débuts à 56 ans. Et en plus, là, il associe enfin, il y a beaucoup de musique et c'est une sorte de comédie musicale. Enfin, vous ne chantez pas en revanche dans le film? Ah non, pas du tout, malheureusement. Sergi Lopez et moi, on fait les garçons. Il n'y a que les filles qui chantent, en fait. Il n'y a que les filles, parce que c'est d'abord l'histoire des filles. Et nous, on est là pour leur servir la soupe, quoi. Enfin, vous ne leur servez pas la soupe, hein. Vous ne servez pas la soupe. C'est gratiné, ce que vous leur servez. Non, mais vous êtes un vrai salaud. Oui, tout à fait. Là, vous parlez de mon personnage. Ah oui, pas de moi. Ah oui, un chien. C'est-à-dire que c'est différent. Bande annonce du film et on en parle tout de suite après. Il y a des petites connes qui se foutent de ma gueule depuis une heure. Ça te dérangerait d'arrêter de te foutre de ma gueule? Vous êtes complètement parano. Tu veux que je te foute mal aux yeux dans la tronche, connasse? Arrête, tu vas te faire choper. Je vais repartir de zéro. Eh ben ma fille, ça va pas être dur. Tu nous avais promis d'arrêter l'eau oxygénée. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de mon trop plein d'amour? J'ai plus de chat, je suis toute seule. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Eh ben c'est pareil pour les chats. La galerie, tes artistes à la con, tes magouilles pas claires. C'est fini. Et tu comptes faire quoi? Sauve-toi, Marianne. C'est très courageux ce que tu es en train de faire. Il faut un logement, il faut du travail. C'est peut-être un boulot de con, mais tu peux pas y aller comme ça. Ce serait bien que tu fasses un peu moins crade demain matin. Alors faut que je me lave les cheveux. Si vous voulez vraiment bosser, je peux peut-être vous proposer quelque chose. Mais enfin, c'est provisoire, il n'y a pas d'horaire. Putain, ça fait mal au cul tes conneries. Ça fait toujours mal. Une bite, je te zappe. Des mecs comme toi, faudrait les vivisséquer. Vous entendez comment vous me parlez, là?
Charles Berling, Marina Foïs, Olivia Bonamy et Amira Kazar. C'est vrai que les trois principaux rôles sont les trois rôles féminins du film. Alors, c'est assez curieux parce que c'est vrai qu'on a du mal à définir et à résumer le film, si on ne peut pas trop le faire non plus. Non, ça ne serait pas intéressant. C'est plus une ambiance, c'est une sorte de chaos urbain féminin. Alors, le film a déjà reçu de nombreux prix, le prix Europe 1 en septembre 2002, le prix Michel Dornano au Festival de Deauville, dont vous revenez d'ailleurs. Oui, où j'étais jury. C'est pas vous qui avez donné un prix à votre film. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah, parfait. Et puis alors, plus curieux, là, dans la liste des prix, je vois Grand Rail d'Or. Alors, je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ce prix-là? En fait, c'est un groupe de cheminots cinéphiles qui... Oui, ça, c'est le Grand Rail d'Or, ça, c'est un bon prix. Alors, je veux dire... C'est à Cannes qui nous ont donné ça, oui. Donc, les cheminots ont décidé que c'était le meilleur film voilà, du Festival exactement. De Cannes. Voilà, exactement. C'est vraiment un bon prix, ça, je peux vous le dire. Ça ah fait ouais super plaisir. Non, mais c'est, vrai, c'est assez curieux. C'est vrai, parce que c'est toujours... On a, là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une catégorie sociale qui reconnaît ça. C'est qui ont voté pour Rail d'Or. La SNCF, qui faisait la grève. Non, ils vont au ciné. C'est pour ça que... Fille perdue, cheveux gras. Toute l'équipe a vu le film, moi compris. J'ai envie de commencer par Claude Sarraute. Bah écoute, moi, très franchement, tu m'en voudras pas. Le film, c'est toujours un peu... Chaque fille est tellement paumée qu'elle finisse par s'ensembler toutes, qu'on a du mal à éditer. Alors toi, tu es formidable. Il est... Moi, je serais donc une femme. Pas, hein. Je serais une femme. Je serais folle de Berling, moi. Ah oui, pourquoi? Bah, ah ouais. Parce que c'est la séduction même. Excuse-moi, mais quand tu dis « si j'étais une femme, je serais folle de Berling », qu'est-ce que tu entends par là? Moi, je suis... c'est marqué sur mon emballage, je suis un produit périmé, je n'existe plus sur le marché de la séduction. Oh, si j'étais... Mais si, mais je t'assure, il est fabuleux. Sophie Garel. Ça démarre très fort, sur une paella avec une musique hispano et tout ça, ça bouge. Mais le problème de ce film, c'est le genre. Alors, le titre, déjà, j'en suis pas fan, parce que je trouve qu'on a du mal à s'en imprégner, comme le gras. Finalement, il y a une magie à je la fin. Je suis pas d'accord avec vous, j'adore ce titre, moi. Ouais. Fille perdue, cheveux gras, je trouve que c'est un titre... incroyable, parce qu'en plus presque répugnant et d'oser afficher ça comme ça sur une affiche, moi j'aime bien. Elles n'ont pas les cheveux gras, elles sont toutes charmantes en plus. C'est le genre de film, et on le lit dans les critiques, il y a d'excellentes critiques, puis il y en a d'autres qui le descendent totalement. Voilà, parce c'est que bien. Ça décontenance vraiment, moi je dois dire, j'ai pas été fou en le voyant de ça. C'est un ovni. Ah bon? Mais c'est un ovni. Je me suis dit, mais il y a des tas de copains qui m'avaient dit, vas-y, c'est super. Donc eux, ils ont aimé, moi j'ai pas aimé, mais. On ne peut pas savoir à l'avance quelle va être la réaction du public face à ce genre de film. Complètement, c'est bien ça. Là, pour moi, Claude Duty, c'est quelqu'un qu'on n'a plus rien à foutre de se dire « je suis un jeune réalisateur, je vais faire ci, je vais faire ça ». On sent qu'il fait un cinéma en toute liberté avec ses qualités et ses défauts. Gérard Miller. Ce qui est étonnant, c'est qu'ou bien ça sera un film culte, ou bien ça ne marchera pas du tout. Parce qu'il y a incontestablement plein d'éléments. Si on vous les décrit séparément, vous serez écroulé de rire. Toute la question, c'est est-ce que la mayonnaise prend ? Séparément, c'est réussi. Les filles sont formidables, vous êtes formidables, mais est-ce que la mayonnaise va prendre ? Ça, c'est la question. Et le titre est très réussi. Le titre, je trouve vraiment très original. Moi, j'ai tout de suite vu ça sur les colonnes Maurice. Je me suis dit, ah, c'est un des films de la rentrée. C'est même un des films dont je me souviens le plus. Une fille perdue cheveux gras, Isabelle Mergault. Moi, je suis... Je dis, elle va le faire de la promo tous les jours. Le temps que je comprenne. Moi, je voulais vraiment adorer ce film. Et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi, comme dit Gérard, les ingrédients sont bien, mais pour moi, la mayonnaise, elle a pas pris. Et pourtant, j'avais une bienveillance absolue. Et voilà. Stevie ? Les films comme ça, il y en a plein de ce style-là, mais par contre, celui-là... Je ne l'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas aimé non plus. Je n'ai pas été accroché par ce film, mais c'est vrai, je dis ce que je pense sincèrement. Quant à vous, eh bien, je ne trouve pas que c'est l'un de vos meilleurs rôles, mais en tout cas, vous jouez très bien. Et vous êtes... Moi, je vous verrais quand même plus comme le mec séduisant et charmeur que méchant et pervers. Quand même. Ça s'appelle un acteur. Bah ouais, ça change, mais moi, je préfère dans les rôles comme ça. Jean-Luc. Là, je suis pas d'accord, je trouve que c'est un beau rôle parce que justement, moi je trouve que c'est bien parce que c'est un film qui ose, donc il y a plein de choses à prendre et tout, et comme tous les films qui osent et qui mélangent des genres,
Bien sûr que ça peut diviser tout, mais c'est bien, il y a quelques petites longueurs, mais je trouve ça intéressant. Comme on dit dans ces cas-là, un film qui ne laissera pas indifférent. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que... ce genre de film, vous savez, quand on me l'a proposé, à un moment donné, j'étais vraiment fatigué, j'avais pas envie de le faire, et au fur et à mesure de rencontrer Claude, de lire ça, de voir le pari que ça représente, je trouve ce que dit Gérard est juste, c'est-à-dire on se dit, bon ben, il faut prendre ces paris-là, parce que c'est ça qui est marrant dans le cinéma. Même si tout le monde ne s'y retrouvera pas, eh ben tant pis, c'est ça le cinéma, c'est ça qui est bien. Je vous rassure, en fait, Isabelle, vous n'avez pas du tout les cheveux gras, vous avez toujours les cheveux très... Et je suis pas une fille perdue non plus. Pas non plus. Combien de temps, d'ailleurs, vous les lavez tous les combien, vos cheveux, vous? Tous les trois jours. Tous les trois jours. Vous, ouais. Sophie? Non, moi qu'une fois par semaine, j'ai pas le cheveu gras de nature. Eh ben ça, c'est une critique, c'est une bonne critique de cinéma. J'ai quelque chose à dire. C'était une question honnête. Fille perdue, cheveux gras, sort mercredi sur les écrans. Faites-vous votre avis vous-même. Vous encouragerez en plus un premier film et un jeune réalisateur qui n'est plus si jeune. Mais en tout cas, on peut dire ça pour l'occasion. Oui. Charles Berling, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Autre sujet. Écoutez bien les chiffres, ça fait peur. Ils sont 2 millions d'étudiants, oui, 2 millions d'étudiants chaque année à rentrer à l'université. Et la moitié de ces étudiants, donc 1 million, recherchent une location, alors que le parc locatif qui leur est destiné est de seulement 300 000 logements. En ce moment, donc, à part faire son lit le matin, rien n'est plus pénible et compliqué pour un étudiant que de se trouver une chambre pour y loger. Hausse des tarifs, file d'attente en bas de l'immeuble, taudis, arnaques, questionnaires de sélection façon Gestapo. Et voilà bon nombre de nos futures élites, les étudiants, condamnés parfois à dormir dehors. Frigide Barjot est heureusement là, étudiante en caméra cachée. Elle a testé pour nous louer sa chambre à un étudiant. Une caméra cachée par un autre jeune étudiant, Julien Héron. Bonjour, Frigide Barjot. Aujourd'hui, j'ai testé louer ma chambre à un étudiant. Bonjour, Régine Dubé, je suis la propriétaire. Et je vous laisse découvrir ce petit paradis. Donc ici, vous avez la chambre, voilà, avec un lit très confortable. Mm-hmm. Nous avons notre petit chien. C'est un setter irlandais, mm-hmm. n'est-ce pas? Il adore faire sa sieste ici, sur ce lit. Ah, ceux-ci, ce sont les poils du setter? Oui, enfin, quelques-uns. Ensuite, suivez-moi, je vous en prie. Ici, le coin lavabo, qui fait en même temps un petit peu évier. Et puis alors aussi, donc, je suis en pleine phase de dératisation en ce moment. Un chien, les rats. Oui. La déco. Ah ben quoi, qu'est-ce qu'elle a la déco? Bon, enfin, je veux quand même voir la douche. Très bien. Eh bien, écoutez, suivez-nous. Donc, nous avons fait derrière cette porte le coin salle de bain, toilette. Donc, je vous en prie, allez-y. Voilà. Non, allez-y. Allez-y, vous non, allez. Merci, je vais pas y aller. Mais non, écoutez, c'est totalement insalubre. Comment c'est insalubre? Ce sont des toilettes à la turque, il n'y a rien de plus hygiénique. On cherchait à profiter de certains étudiants, mais là, c'est pas très... C'est pas quoi? Très honnête pour les personnes qui cherchent des appartements. J'ai des locataires, de la vapeur est bréchée, pas très nickel. L'eau chaude, froide, pas de savon, au bidet, pain douche, j'ai des mouches. Et la cuisine? Voilà, alors la cuisine, c'est ici. Entre ici et ici, en fait, voilà. D'accord. Et c'est bon. Aussi le coin salle à manger. Non, mais c'est pas possible. Vous avez tout le confort. Comment ça se fait qu'il y a des pièges à souris un peu partout dans la pièce et... Mais on est en train de dératiser en ce moment. Donc j'ai mis quelques tapettes un peu partout. Il s'agit juste de changer le petit bout de fromage de temps en temps. Voilà. Je peux pas vivre dans cet appartement, c'est impossible. Mais même si vous me le faisiez à 1000 francs, c'est pas possible. Nous, on a fait un effort, donc soyez gentils, faites un effort. Bon, on descend devant la salle de bain. Voilà. Je vous laisse la découvrir. Allez-y. J'ai été catastrophique. Non, mais attendez, là, je pense que vous plaisantez. Je pense vraiment pas. L'appartement est déclaré? Pardon? L'appartement est déclaré. Non, mais vous me soupçonnez, en plus de faire les choses illégalement? Non, parce que je suis désolée. Et le fait qu'il y ait des rats et un chien qui visite mon appartement, et... Il habite un peu, cet appartement. Oui, non, mais j'ai pas demandé de chien, j'ai pas demandé de rats, j'ai pas demandé... Écoutez, voilà, moi, je vous laisse cette chambre pour vous faire plaisir, d'accord? Non, mais moi, je cherche un appartement pour mon confort. Et ça, c'est tout sauf du confort. Ça, c'est la petite annonce que Frigide Barjot et Frédéric Ciot, qui ont réalisé le sujet,
avait fait passer dans la presse spéciale étudiant loue dans immeuble standing, studette, cuisine, salle de bain, tout confort, soleil, sans vis-à-vis. Prix intéressant. On n'est pas si loin de la réalité parfois, hélas. Claude ? Moi, je voudrais dire que de mon temps, je vous parle d'il y a 50 ans, un demi-siècle, ce qu'on louait, ce n'était pas des chambres d'étudiants, c'était des chambres de bonne. Alors, il n'y avait rien. Il y avait l'eau sur le palier, il y avait les toilettes à l'étage, mais pas toujours forcément au même étage. Si la chambre était au sixième, les toilettes pouvaient être au septième ou au cinquième. Et les étudiants se jetaient dessus. Gérard ? Et moi, je vous parle d'un temps encore plus lointain, où les étudiants ne se plaignaient pas, ils travaillaient 14 heures par jour, ils vivaient dans les caves, qu'est-ce que tu ils étaient encore heureux d'avoir à manger. Ne me fais pas ton cinéma à propos de ça, c'est la vérité. C'était du Zola. Le mieux, c'est de faire comme je l'ai fait. Je n'ai pas fait d'études, donc pas eu besoin de comme d'étudiants. Sophie. Alors moi, j'ai le point de vue du propriétaire. J'ai loué un petit studio dont je vais me débarrasser très prochainement parce que j'ai eu tous les problèmes du monde avec ce studio. Des gens qui ne payaient pas, des gens qui foutaient en l'air l'appartement. Jusqu'à un mec que j'ai vu un jour en première page de détective qui avait dévalisé la BNP. Alors, il ne me payait pas depuis 6 mois. On est allé avec des huissiers, un constat, on a ouvert, on a cassé la porte, on a arraché la moquette et sous la moquette, il y avait des liasses de billets. Je n'ai même pas pu en croquer parce que tout ça, ça a été repris. Pardon. Je suis désolé. Vous avez éternué. Oui. Vous savez que c'est rarissime. Tous les gens qui font du théâtre, de la télévision, du cinéma disent quasiment jamais on éternue, on a le hoquet dans une émission. Absolument, ou sur scène. Absolument, tellement on est concentré et tout. Donc là, c'est vraiment, vous êtes complètement ailleurs pour avoir pu éternuer sur un plateau de télévision. Non, je pensais déjà à mon invité qui va nous rejoindre sur ce plateau pour parler de ce sujet, le logement des étudiants. Recevons tout de suite une jeune fille qui, comme beaucoup, est à la recherche donc d'une chambre. Elle s'appelle Géraldine Favreau. Bonjour, je vous en prie. Alors, vous êtes étudiante en première année de psychologie à la fac de Nanterre. Exactement. Et vous êtes toujours à la recherche d'un logement. Toujours à la recherche d'un logement. Alors, quelles sont les différentes démarches que vous avez entreprises pour essayer de trouver un logement? Alors déjà, j'ai essayé par des agences immobilières, pardon. Et le problème avec ces agences, c'est qu'on nous dit, voilà, vous devez payer des frais d'agence pour qu'on vous mette en relation avec le propriétaire. Donc, on paye les frais d'agence parce qu'on est très naïf. Et après, bah, je suis tombée sur un numéro de téléphone où il n'y avait personne. Oh. Jamais personne. Ou alors, j'appelais. Alors, au début, c'était occupé. J'appelle 2 secondes après, ça ne répond plus. Et puis, comme ça, j'ai essayé de frapper. Ça, c'est l'arnaque. Et ça, c'est l'arnaque. Alors, quelles sont les garanties aussi que vous apportez? Parce qu'il faut se mettre aussi à la place d'un propriétaire. C'est la proprio qui parle. Mais oui, quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui vous avalise? Vos parents vous avalisent? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma mère se porte caution. Ah, quelle est la profession de votre mère, Géraldine? Elle travaille dans les assurances. Dans les assurances, donc c'est quelles sont vos perspectives d'héritage avec certificats médicaux pour les vieilles tantes malades, enfin tout ça là? Oula. Gérard. Quelles sont vos relations? Vous recevez qui dans la vie? Vous avez qui comme copain, comme ami? Qu'est-ce qu'ils font? Des amis, certains, oui. Ils boivent? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Est-ce que vous avez eu le droit déjà à ce genre d'interrogatoire? Absolument pas. Mais vous faites psychologie? Mais vous savez que tous les psychologues année. Et les psychanalystes sont des dingues, vous le savez ça? C'est vrai que ça touche le logement étudiant, mais ça peut toucher aussi d'autres personnes. Et je peux vous le prouver grâce à notre nouvelle rubrique avec Mademoiselle Isabelle Mergaud. Qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, tout à fait. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue pour notre nouvelle rubrique On a tout acheté. Tu n'as rien acheté? Non, tâche. Bon, alors, je voudrais vous rassurer, Laurent, lévillard de plus de 25 ans, car maintenant, il est tout à fait possible de vivre comme un jeune, et ceci à moindre frais, et je le prouve grâce à ceci. En effet, voici le kit « Je vis comme un jeune ». Grâce à ce kit, vous pourrez reconstruire chez vous une véritable chambre d'étudiant. Première chose, le look. N'ai-je pas l'air d'un étudiant en sociaux? C'est Romain Duris. Oh que si! Le postiche « J'en ai marre de la life » est livré avec une cire naturelle permettant de lui donner ce superbe effet dit « graisseux ». C'est mon gel en plus. On voulait pas t'en parler. À 20 ans, on a toujours la photo d'un artiste maudit près de son lit, le genre écorché vif, beau et ténébreux, comme James Dean ou Rimbaud. Notre kit comprend donc une superbe photo d'un véritable rebelle moderne.
20 ans, c'est aussi l'âge où on se sent porté par de profonds engagements. Voici donc une affiche qui sera du meilleur effet sur le mur de votre casibi. La guerre, c'est pas sympa. Passons maintenant à l'alimentation. Voici deux éléments qui, à eux seuls, fournissent l'essentiel des nutriments nécessaires au bon fonctionnement d'un étudiant. Alors, petit conseil. Pour gagner du temps, versez le liquide bulleux... Non, gazeux. Le liquide gazeux dans un bol et saupoudrez avec des chips. Ensuite, vous mangez comme de véritables cornflakes. C'est délicieux. Bon, bien sûr, si vous êtes un accro du réalisme, pensez à éparpiller quelques petits chips dans le fond de votre lit. Les jeunes adorent ça. Quand on est étudiant, il est de bon ton d'avoir sur sa table de chevet le livre d'un grand penseur très rasoir qu'on n'a jamais lu, mais qui laisse à penser qu'on est super intelligent. Le kit contient donc un ouvrage à cet effet. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de le lire. Voilà, pour finir, je crois, Isabelle, que vous allez présenter le dernier gadget qui vous permettra de présenter et de créer une ambiance de piôle d'étudiant dans votre appartement. En effet, Jean-Luc, oui, il s'agit du diffuseur d'odeur. Ça sent bon la jeunesse. En plus, pour l'achat de ce kit, nous vous offrons une recharge fraîcheur exam. Voilà. Alors, n'hésitez pas, car je sens déjà que vous regrettez tous cette époque formidable où vous étiez étudiant. Allez Claude, pour toi c'est cadeau. Jean-Luc Lemoine et Isabelle Mergot. Vous êtes reconnus dans ce portrait d'étudiant de Jean-Luc et Isabelle? J'avoue que pour certaines choses. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour réussir à trouver cette chambre d'étudiants. On souhaite bonne chance à tous les étudiants qui nous regardent. Merci. Allez, on va parler d'un feuilleton que vous connaissez sûrement, puisque depuis le 26 août dernier sur France 2, vous avez été nombreux à regarder Garonne, ce feuilleton en quatre parties de Claude Dana, avec dans les principaux rôles Laure Marsac, Sophie de la Rochefoucauld, Marie-Christine Barrault et Bruno Volkovitch. Et ce soir lundi, c'est le dernier épisode de la série, le dénouement des histoires pas très claires de Claire, l'héroïne. Surmontera-t-elle ses cauchemars? Trouvera-t-elle la paix en se réconciliant avec sa mère? Pour qui battra son cœur? Vous aurez toutes ces réponses qui vous empêchent de dormir, j'en suis sûr, ce soir à 20h55 sur France 2. Pour tester avec nous Garonne, recevons celle qui a les clés de tous ces mystères. César du meilleur espoir féminin pour la pirate de Doyon en 1985, c'est la comédienne Laure Marsac, alias Claire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes contente d'avoir, je ne pouvais pas me dire non évidemment, mais d'avoir tourné ce Garonne et surtout de voir que la critique est plutôt bonne concernant ce feuilleton. Oui, la critique est très bonne pour le feuilleton, surtout pour les acteurs. Pour moi, c'est pas trop mal, alors oui, je suis très contente. L'Humanité, par exemple, aujourd'hui, on cite rarement ce journal, mais donne un coup de projecteur sur Garonne en disant que ce soir, on aura la clé de toutes les intrigues. Il dit, enfin, au moins pour les inconditionnels de ces sagas familiales et de terroir, on regretterait presque que la série s'arrête. Nous aussi, on regrette. On aurait aimé faire 5. Il n'y aura pas d'autres épisodes, ce ne sera pas un film fleuve. Non, pour l'instant, il y aura... Garonne... moi, je dois dire, j'ai vraiment les jetons. Ce soir, je dois dire, je serai devant mon écran, je suis terrifié, vous qui êtes... fille de psychologue, vous le savez, s'ils arrivent à dénouer des histoires familiales aussi complexes simplement à la télévision sans passer par nous les psychanalystes, on n'a plus de boulot. Parce que le récit de cette histoire est une complication familiale comme rarement on en a vu. Oui, mais ça c'est la magie du cinéma. Effectivement, moi ça fait 8 ans que je suis sur le divan, donc j'ai conscience que ça prend du temps. j'aime beaucoup être allongée, je sais pas. Est-ce que vous avez regardé les épisodes précédents, Isabelle, de Garonne? J'ai regardé en résumé. Ouais. Et c'est vrai que c'est haletant. De toute façon, c'est le principe de ce genre de feuilleton. Quand t'accroches, c'est ça, si t'as envie de savoir la suite. Et moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est Nicolas, qui a eu des crises d'identité et qui s'est mutilé la jambe. Moi, j'avais des crises d'identité, je me rongeais les ongles, c'est moins... Mais bon. Et lui, c'est lui qui m'intéresse le plus, ce petit garçon. Ouais, il faut absolument regarder ce soir, alors. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il meurt? Alors, est-ce que... Non, mais sans rien dévoiler, est-ce que ça se termine quand même assez bien? Oui, je sais pas. Enfin, pour l'instant,
Oui, on se dit que peut-être on va faire la suite comme ça dans nos rêves. Et, est-ce que vous pourriez nous raconter la fin? Mais oui, ça va faire. Si, c'est absolument hors de question. Qu'on regarde TF1 ce soir et qu'on n'en parle plus. Non, parce que moi je regarde. Moi aussi, moi je vais regarder ce soir. Bon. Stevie, vous avez aimé? J'ai raté le premier épisode, mais j'ai adoré. Ouais, je suis à fond dedans. Ah ouais, j'adore. Donc j'ai hâte de voir l'épisode de ce soir. Ne ratez pas, 20h50 sur France 2. Oh là là! Ah, il a envie de se mettre bien avec la chaîne, lui, hein? Jean-Luc? Moi, j'ai pas vu les trois premiers épisodes, mais mais tu peux causer quand même. Non, mais non, au contraire. Ah, vous le tutoyez, vous le connaissez, le moins. Oh, j'en sais rien, je sais pas. Non, on peut tutoyer, on a le même âge. Donc ça va. Non, mais non, mon vrai plaisir, c'est de manquer, par exemple, quand il y a une saga à quatre épisodes, de manquer les trois premiers et d'aller voir le quatrième chez des gens qui ont suivi la saga. Parce que ça, pour leur niquer la soirée, c'est génial. Oui. Tu sais, tu es là, tu regardes, eux, il y a une tension, ils attendent le dénouement. Et dès qu'il y en a. C'est qui celui-là? Ouais. Et il fait quoi dans l'histoire? Ouais. Et puis il y a un autre qui arrive et fait. Et lui, par l'autre, c'est qui? Et les mecs, attends, non, j'essaie de suivre, là, s'il te plaît. Non, et c'est qui lui? Ah, mais je comprends pas, c'est compliqué cette histoire. Tu peux leur niquer la soirée. Si tu veux perdre tes amis, c'est royal. C'est une bonne idée. J'ai senti un peu de perfidie chez Laure quand elle a dit « Bon, t'as pas vu les épisodes, tu peux en parler. » Donc maintenant qu'elle fait la maline, j'aimerais bien vous poser un petit quiz sur la Garonne. Pour voir si vous connaissez la Garonne. Ah non, voilà. La seule chose que je sais, c'est qu'elle peut pas déborder. Vous les connaissez quand même? J'ai quelques questions pour vous. Alors, où la Garonne prend-elle sa source? Aucune. Vous pouvez jouer avec nous, nos amis, derrière vous. Dans le Massif central. Dans le pic d'Aneto, dans le Val d'Aran, en Espagne. Stevie, t'es bien. Un vol d'oiseau. Oui, mais il a tenté. Hein. Quelle est la longueur de la Garonne? 575 km. Merci, toi tu copies. Ah, dites comme vous n'êtes pas calé sur la Garonne. Hein. Et j'ai encore deux petites questions. Quels sont depuis sa source les départements que traverse la Garonne? Il y en a 5. Exact. Bah c'est classant. Ça suffit. Mais attends, elle met du suspense comme Gers, pour... Gers. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Et enfin, dernière question. Aujourd'hui, j'ai combien de Garonne? Comment ça? 32. 6. J'ai 6 Garonne car c'est l'un riz. Oh, ça c'est très mauvais. Bah, j'ai compris, moi. On n'a pas compris. Jesse Garonne, c'est un chanteur qui chantait « C'est lundi, aujourd'hui, ah c'est oui. lundi ah ». Jesse oui, Garonne. Ah, tout de suite, on veut monter d'un cran, il n'y a plus personne qui suit, voilà, ouais, c'est dommage. Il n'y a que moi qui pouvais comprendre ça. Gérard Mier, vous n'avez même pas regardé Garonne. Si, absolument. Et franchement, je ne dis pas ça parce que... Parce que c'est notre chaîne. Parce que c'est notre chaîne, je trouve que c'est plutôt bien fait. Parce qu'on a signé quelques ingrédients éternels. Effectivement, on retrouve ça dans tout. La paternité, qui est le père, on peut dire que c'est une histoire éternelle, qu'on trouve ça dans les mystères de Paris, comme dans n'importe quel grand feuilleton. Mais il y a quand même des éléments de modernité. Il y a aussi l'écologie, après tout, qui est présente. Il y a l'écologie, il y a un ton aussi. Hein. Il y a des dialogues qui sont peut-être plus incisifs que d'habitude. Oui, je trouve, puis, oui. Il y a le sentiment que la vie passe, que c'est toujours vivant, que c'est toujours... Ça, c'est très important, je pense. Et alors, vous préparez, vous avez même déjà écrit le scénario, vous préparez un film. Alors, le titre, pour l'instant, le titre provisoire de ce film m'interpelle, j'aimerais que vous me l'expliquiez. Le titre, écoutez bien, c'est « Le quatrième morceau de la femme coupée en trois ». Oui. C'est-à-dire, j'ai réalisé un court-métrage avec Charlotte Gainsbourg, et puis après, j'ai eu envie de réaliser un long-métrage dont j'ai écrit le scénario. Oui, je crois que le quatrième morceau de La femme coupée en trois, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est celui qui reste à l'intérieur, c'est celui dont seule la femme a conscience. Oh là là, je vais chercher ce soir. Hein. Ça donne envie, hein. Parfait, bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. On était ravis que pendant 4 épisodes, vous fassiez partie de notre chaîne France 2. Merci. Merci Laure Marsac, je vous embrasse. Oh. Maintenant. Retenez bien le lieu. Dès le 1er octobre, au Casino de Paris, vous pourrez aller écouter l'adaptation musicale du Petit Prince de Saint-Exupéry, mis en scène par Jean-Luc Martinotti, mis en musique et réalisé par Richard Cosciante, l'un des artisans, Cosciante, vous le savez, de l'immense succès qu'était Notre-Dame de Paris avec Luc Plamondon. C'est Daniel Lavoie, ex-Frollo, qui sera l'aviateur, et le tout jeune Jeff, qu'on avait reçu, souvenez-vous, qui interprétera le Petit Prince. L'album de la comédie musicale est sorti en juin dernier. On attend
pour les jours qui viennent, puisque c'est Ma Rose, le nouveau single, et puisque c'est à Richard Cosciante qu'on a demandé Dessine-moi un succès, testons tout de suite le petit prince de la chanson, auteur entre autres, vous le savez, de Belle, mais aussi du Coup de soleil, de Marguerite ou de Pour elle. Voici Richard Cosciante. Ici. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour. Vous êtes le petit prince de la chanson en quelque sorte. Oh, petit prince, enfin, un petit peu grandi. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'adapter le Petit Prince de Saint-Exupéry ou c'est une commande? Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire de ce petit prince? C'est les ayants droit qui ont demandé que ce soit moi qui fasse la musique. Donc, la famille de Saint-Exupéry? Oui, c'est ça. Alors, Sophie Garel, vous avez écouté Le Petit Prince, l'album, avant oui. d'aller voir le spectacle au Casino. Alors, d'abord, j'irai voir le spectacle dès les vacances scolaires. J'irai avec mon petit-fils, parce que bon, j'ai adoré le livre. Mais son petit-fils a quand même 38 ans. Hein, mais ben oui, alors, il est resté gamin, comme sa grand-mère. Et alors, donc, j'ai trouvé la bande musicale absolument délicieuse, mais c'est vrai qu'il est, je pense qu'il est important d'aller voir le spectacle avant pour après s'imbiber et s'imprégner de la musique. Et j'ai trouvé qu'effectivement, cette musique portait merveilleusement bien le texte. Elle n'était pas agressive, elle était douce. Ça vole haut, comme disait Saint-Exupéry. Vous savez, l'œuvre est une œuvre très difficile. Il faut rentrer au fur et à mesure. Il faut l'écouter complètement pour rentrer dans une atmosphère. Je sais pas que ça va faire, mais enfin bon. Claude Sarraute. Oui, moi, c'est difficile pour moi de juger. Je n'aime pas Le Petit Prince. Pardon. Ah bon, déjà. J'adore pas. Mais enfin bon, c'est un livre culte. Moi, j'ai trouvé que la musique était jolie, en camailleux, en ton extrêmement fin. Absolument. La tonalité était très fine, avec des, j'ose pas le dire, mais presque des couleurs un peu, tu vois, comme du rose. Pastel, voilà, je cherchais ça. Ça ressemble au livre. Voilà, oui, le livre est comme ça. Tout à fait, tout à fait. Donc on pouvait pas faire autrement. Exactement. Et ça, c'est très, très bien. Isabelle Mergault. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous adore. J'adore Le Petit Prince et vous aussi. Alors donc, j'adore moi, votre accent. C'est pas un accent. Moi, c'est groupie. Alors, vous irez au Casino de Paris à partir du 1er octobre, Isabelle. Ah oui, mais j'irai même pas voilà. avec mes neveux. Moi, j'irai avec moi-même. Hein, Gérard. C'est évidemment très doué. Alors, quand on reçoit cet album, on se dit, il va encore nous avoir. Parce que, évidemment, si on fait appel à vous, c'est pas seulement à cause de votre talent de musicien, c'est aussi parce que vous avez attrapé quelque chose de l'air du temps. Un vous coup de savez soleil, y... un coup d'amour, un coup de Vous soleil. Savez y faire. Et c'est vrai que moi, ça m'agace toujours un peu les gens qui savent si bien y les faire faiseurs. Que automatiquement on va être pris. Eh bien, on est pris, c'est réussi. Mais et c'est vrai que j'irai faiseur. Voir aussi. Je n'aime pas du tout ce terme. Non, c'est quelqu'un, c'est un hypnotiseur. C'est quelqu'un qui va réussir à nous captiver. Ah, parce qu'il a un univers, il a un univers en lui. Je n'essaie pas. Vous savez, je crois toujours que lorsque l'on compose, on doit d'abord être soi-même. On doit recevoir quelque chose. Et après, on peut peut-être espérer que le public reçoive des émotions. Jean-Luc Lemoine. Écoutez, moi, c'est un peu particulier parce que je suis un peu amer par rapport à ce projet. Par rapport à ce projet, oui. Parce que je fais partie des jeunes qui sont présentés pour l'audition du Petit Prince. Et j'ai été recalé. Je crois qu'il y a un délit de faciès, là. Surtout que j'étais le seul à connaître mon texte. J'ai dit « Dessine-moi un mouton », le mec m'a répondu « T'es gentil, tu dégages. » T'es gentil, tu dégages. Je suis pas sûr que ce soit du Saint-Exupéry. Mais enfin bon, ça c'est... C'est lui qui a été pris, le petit Jeff. Oui, je vois pas ce qu'il a plus de que moi, franchement. Vous allez avoir du travail, là, Richard Cosciante, parce que je voudrais que vous fassiez un petit casting, une petite audition des différents membres de l'équipe qui vont interpréter vos succès. Et vous allez me modeler après, j'espère. J'ai envie qu'on commence, puisqu'elle vous adore, j'ai envie qu'on commence peut-être par... Par Sophie Garel. Je vous adore. Sublime. Allez, Sophie, attaque. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment va plus vite, il faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'endors plus, viens me voir demain. Oh là là. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face,
C'est pas mal. Laquelle des deux vous engagez? Ben, il y a une personnalité dans les deux, donc bon... Ah, mais... Plus de sensualité dans ma Oui, voix, bien sûr, bien ah, sûr. Bon. Et plus de fraîcheur. Plus de fraîcheur. Si vous voulez faire un drame musical, c'est possible. Mais il faut en choisir une des deux, Richard. Il faut que je choisisse. Oh, je ne suis pas fainéante. Vraiment, là c'est vraiment dur. Moi, je fais la cuisine, dur. Richard. Je cuisine bien. On peut prendre la première, puis la deuxième comme doublure, par exemple. Pardon. Pardon. Qui serait ma doublure? Alors, il faut engager évidemment l'interprète masculin. Ah, on a choisi, non, bah, vrai. On a choisi la chanson Belle, c'est Stevie Boulet qui démarre. Aidez-le. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, telle un oiseau qui s'étend ses ailes pour s'envoler. J'en connais un qui va quitter le château. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle... C'est pas mal, c'est pas mal. Jean-Luc Lemoine. Voilà. Je fais quoi? Je fais où? Quel est celui? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Wow. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Ah ouais, c'est bien! Quel organe! Je ne vous soupçonnais pas cet organe! Gérard Miller? Vas-y, accroche-toi, bonhomme. Non, l'atmosphère! Je vais le faire en acteur, moi. En acteur. Oh là. Merde. Au Théâtre des Variétés à partir du 11 octobre. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. Oui. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, non, semble soudain porter la croix du genre humain. Alors, lequel des trois vous engagez? Alors, Stevie. Vous savez, c'est un trio, ça. C'est un trio, non, alors. Non. Alors, ne noyez pas le poisson. Ah, si, c'est vrai, c'est alors, un trio. Alors, on peut faire. Oh, c'est un trio, donc. Vous engagez les trois. Quasimodo. Merci beaucoup, je prends le mot. Astrologue, il a la tonsure. Non, parce que physiquement, et Félix, voilà, le plus jeune. Voilà, les trois sont engagés. Et Claude, vous serez Esmeralda. Voilà. Ah, ça, c'est voilà. Merveilleux. Voilà. Richard Cochante a composé la musique du Petit Prince sur scène au Casino de Paris à partir du 1er octobre avec dans les principaux rôles Jeff et Daniel Lavoie. Merci voilà. Richard, merci. Vous restez avec nous pour le Kikabuki. Alors, à nous de retrouver, vous pouvez aider mes petits camarades, quelques personnalités dont les photos sont parues aujourd'hui dans la presse quotidienne, voire même ce week-end dans quelques hebdomadaires. Premier Kikabuki. Alors. Oh, facile. C'est la femme du footballeur qu'il essaye de placer dans une équipe. Ronaldo. C'est Madame Ronaldo. Ah, bravo, Madame Gérard Ronaldo. Miller. Qui elle aussi, parce qu'elle est footballeuse, va aller jouer en Espagne, suivre son mari qui lui a rejoint le Real de Madrid. Et je crois qu'elle va être engagée à l'Atlético Madrid. Voilà, l'équipe rivale du Real de Madrid, ouais, où joue son mari. Mais enfin, lui, c'est chez les hommes et elle, chez les femmes. Ah oui. Deuxième Kikavuki. C'est Michel Drucker. Pardon, Gérard. C'est Michel Drucker. Oui. Ça, c'est Mme Chirac, d'accord, mais à côté, c'est Michel Drucker. Bravo, ouais, ouais, Gérard Miller. Comment faire, voir? Hein? Fallait le faire. Vous avez reconnu votre ami Michel? J'ai reconnu mon ami Michel Drucker. Oui, à quoi? Il était brouillé. À quoi je l'ai reconnu? À la cravate.
Non, c'est une petite plume, Madame Chirac, depuis... Non, bon, il a reconnu, effectivement, Isabelle a raison, parce qu'il est brouillé avec Gérard. Donc... Non. C'est pas une photo récente, il passe pas sa vie avec elle. Mais si, on a vu hier à la télé. Il passe sa vie avec C'était elle. Pour l'émission de Lynn Renaud. Hier, Madame Chirac était à nouveau l'invitée de Michel Drucker. Oh, elle est très en beauté, hein. T'as vu, Madame Chirac? Ah oui. Elle était super bien. Un peu superbe à l'écran. Ah oui, ça, les gens la trouvent d'autant plus belle que son mari a été réélu. Hein. Non, je t'assure que non. Autre qui a vu qui? Ah, ça, c'est la femme de Raffarin. La femme de Raffarin, oui. Bravo, oui. Sophie. Oui. Anne-Marie Raffarin. C'est son nez. Alors, mais non. Justement, j'allais le dire, je tiens à signaler à Matignon que ce n'est pas nous, évidemment, jamais on aurait osé, qui avons rajouté un nez de clown à Madame Raffarin. C'est une photo qui est parue dans le Figaro Magazine ce week-end. Elle était en visite à l'association L'Envol, qui aide les enfants handicapés. C'est une cause humanitaire, les enfants malades. Et c'est une association qui aide, qui essaie d'apporter un peu de joie de vivre aux enfants. Et leur symbole, c'est un nez rouge. Et quand elle a visité cette association, eh bien, elle a mis un nez rouge. On l'a pris en photo à ce moment-là, alors évidemment, la pauvre... Oh, ça... Il doit bien se marrer, hein, Raffarin. Elle a l'air d'être une sacrée déconnante. Non, mais attends, chérie, elle est très belle. Elle est superbe, cette jeune femme. Richard, faut que vous trouviez le dernier qui a vu. Je ne sais pas rien du tout. Il faut vous réveiller, là, Richard. Ouais, ouais, bah, attention, c'est parti. Bon. Alors... Le prince... Qui il y a derrière? C'est un prince... C'est Ralph Schumacher. Ralph Schumacher, bravo Jean-Luc Lemoine. Il s'est marié ce week-end, le pilote automobile. Le frère de Michael Schumacher, et c'est-à-dire Michael Schumacher qui était le témoin de son frère en pôle numéro 1, j'imagine. En tout cas, il était au mariage de Ralph Schumacher. Richard Cossiant, on vous remercie. On ira applaudir à partir du 1er octobre au Casino de Paris, Le Petit Prince. La comédie musicale, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est plus facile. Spectacle musical. Le spectacle musical, donc, qui aura lieu à partir du 1er octobre, je le répète, Casino de Paris. Richard Cossiant, merci. Merci. Restez sur France 2 à 20h, le journal de David Pujadas. On se retrouve demain vers 18h55. Bye bye.